Hey les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications, c'est gratuit les gars. Du coup, alors avant de commencer cette vidéo, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller voir le petit ami Gumball et on va lui demander tout d'abord comment ça va, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui. Et ensuite les gars, vers la fin de la vidéo, voire même le milieu, on va lui préparer un petit piège et on va le capturer. Du coup voilà, tout simplement, et on va peut-être faire exploser même Gumball ou sa maison, je sais pas. On va voir ça tout de suite les gars, voire peut-être après. Du coup, bien évidemment, aujourd'hui, je vais vous donner un petit défi juste avant de commencer la vidéo. Ça va être tout simplement de faire 750 likes, voilà, sous cette vidéo. Du coup, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Vous cliquez juste sur le bouton avec le petit pouce bleu là, à côté du bouton de s'abonner. Et ensuite, les gars, deuxième défi, ça va être de mettre le mot TNT dans les commentaires et de me faire la meilleure phrase, et la meilleure phrase sera épinglée sous cette vidéo. Du coup là, je te souhaite un bon visionnage, ciao tout le monde. Ok, du coup en fait on spawn où les gars? On spawn dans une petite plateforme. Oula, il y a quoi là ici? Ah, oh je ne savais pas ici, ok ça descend les gars. On va pas y aller pour l'instant, ça sera peut-être une mission secrète plus tard les gars. Si vous voulez que je fasse cette mission secrète, mettez tous un like et je la ferai. Voilà, donc au pire les gars, le petit défi ça va être 1500 likes pour que je fasse cette mission secrète. Du coup ça peut être plutôt pas mal avec Gumball. Du coup, nous, ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on a un petit quad qui nous attend juste ici. On va se rendre vers la maison de Gumball, qui est la petite maison qui est, comment s'appelle, qui est beige là-bas, tout au fond, avec le toit rouge. Alors, du coup, on passe par ici, les gars. On va prendre les petites routes quand même, parce qu'on est quand même bien éduqués. Et on va se rendre chez Gumball. Du coup, l'entrée, alors, je sais plus si elle est là ou là. Il me semble que c'est ici. Bon, d'accord. Hop, on va partir tout droit, les gars. Wouh, j'ai vu la voiture bouger. Ok. Ok, donc là on est arrivé chez Gumball les gars. Donc là on est deux petites voitures, c'est son garage, là c'est son entrée. Par contre c'est un peu le bordel, je sais pas si vous voyez. Ouch. Regardez la marche, elle est cassée ici, il y a de l'eau de partout. Oula, c'est bien détruit, il y a encore plein de feuillage. Oh, ok, bon les gars c'est parti, on va toquer chez Gumball parce que c'est vraiment le bordel. Hein. Je sais pas s'il va être là. Oui. Ah, il est là, ok. C'est moi Gumball. Oui. Ça va Gumball? Nickel et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'es allé où, tu fais quoi? Oh, ah, ok. Tu faisais quoi, la Gumball? Tu faisais quoi? Là, j'étais en train de regarder un truc, en gros, j'ai un petit problème. Ah oui, c'est quoi ton problème? Regarde ça. Ah non, oups. Ah oui, ah. Ouais, oui, c'est oui, bah, je l'ai vu ton petit problème. J'allais te demander justement, qu'est-ce qui s'est passé, Gumball? Il y a ma belle, elle est venue, elle a tout pété, cette... Ah, c'est Annabelle qui a tout cassé. Cette bip, oui, cette grosse bip. Cette bip, ouais. Ok, les gars, du coup, Annabelle, elle a tout cassé l'entrée de chez Gumball, du coup, voilà. Tu veux que je t'aide à réparer, Gumball? Ah, il faudrait tout réparer, là, tout, la fontaine, ouais. Ouais, les escaliers. Le pot de fleurs. Ah, oui, il y a un pot de fleurs aussi. Ok, bon, bah, elle est partie. Je me mets au travail et au pire, je viens te chercher dès que c'est terminé, d'accord? Vas-y, à tout à l'heure. Dépêche-toi. Oui, t'inquiète. Ok, bon, les gars. Ah, dépêche. Ouais, j'ai pas le temps, moi. Bon, les gars, c'est parti. Merde, je vais pas casser, je vais réparer. Du coup, là, donc là, on a la petite fontaine d'eau que je répare juste à remplir avec ce bloc. Tac, celle-ci aussi. On va faire le petit chemin. On va prendre les deux escaliers pour réparer. Ensuite, il y a quoi de casser? Il m'a dit qu'il y avait le pot de fleurs. Donc, voilà, le pot de fleurs est juste ici. Il y a juste à mettre les contours. Ouh, il y a des motos juste à côté dans la ville. Hein. Il y a des motos là. Wow, le bruit de ouf. Oui, je sais, il y a Gumball qui est en train de s'exciter parce qu'il aime bien les motos, Gumball. Hop, du coup, regardez, on répare ici aussi les escaliers pour avoir accès à la maison de Gumball. On va finir aussi les petits contours des petites plantations qui sont juste ici. Donc, je sais pas si Gumball veut remettre des plantations ici. Donc, c'est lui qui décidera. Hein. Je répare les plantations et il verra par la suite. Du coup, hop, je vais continuer de réparer. Du coup, là, on a le petit feuillage qui est là, qui est cassé. Il me semble que c'est presque bon. Donc là, on a là. Hop, on va refermer. Ah, quoique, ici, c'était peut-être comme ça. Alors, attendez, je vais regarder ici. Ouais, il me semble que c'est comme ça. Du coup, là, on va remettre des feuillages, les gars, parce que normalement, c'est comme ça. Hop, on a un au fond ici. Ah non, on peut pas en mettre. Ok. Bon, je crois qu'il me semble qu'on a bien réparé la maison de Gumball. Alors, je sais pas s'il reste quelque chose. Ah oui, ici, hop, regardez. Bah, vous savez quoi, les gars? On va en mettre un peu partout quand même des feuillages. Comme ça, au moins, Gumball ne dira rien. Parce qu'il me semble que c'est nickel. Regardez. On va juste mettre le sol bien vert. Tac. Ici, pareil. Là, pareil. Parce que regardez, il y a plein de terre, là, ici. Je sais pas ce qu'elle a foutu, Annabelle, les gars. On a dit qu'elle a retourné la terre de chez Gumball. Mais c'était vraiment le bordel. Mais bon, je crois que c'est à peu près clean, les gars. Regardez. Donc, normalement, on a tout réparé les dégâts qu'Annabelle avait causés chez Gumball. Du coup, c'est parti. On va appeler Gumball pour lui annoncer la bonne nouvelle. Hop, je vais toquer à sa porte. Oui.
Gumball. J'arrive. Ouais, j'étais où? T'es où, Gumball? Ah, il est là. Je suis là. Vas-y, viens voir l'entrée. Par contre, Avarice, Oui. on va activer les TNT parce que moi, je dois creuser un tunnel Ok, sous la ouais. Manche. Et ouais, bon, on fera ça après, d'accord? Donc, les explosions de TNT, il faudra les activer. Ok, pas de soucis, Gumball. Ok, bon, bon, regardez, là, c'est tout propre chez Ah. Gumball. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Ok, bon, bah, je crois que Gumball est Bon, content, les vas-y, gars. à plus, Avarice. Ouais, ok, bon, bah, les gars, je crois que Gumball m'a même pas donné une petite récompense pour me. Bah, pour être sympa avec moi, pour me donner un truc pour me remercier de mon travail, parce que je l'ai quand même aidé, les gars. Mais bon, j'ai l'habitude avec Gumball, il est vraiment pas très sympa en ce moment. Du coup, les gars, c'est pas grave, je vais prendre mon petit quad et je vais retourner chez moi et je vais vous expliquer un truc sur le passage, les gars. Du coup, alors, j'ai pas de maison attitrée, donc j'ai la petite place qui est juste en haut. Mais voilà, on va y retourner tout doucement, les gars. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux juste vous dire que là, Gumball, en fait, on vient juste de venir chez lui pour voir s'il était chez, bah, dans sa maison, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un petit piège, les gars. Et on va tout simplement le piéger dedans. Au pire, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le piège et je vais trouver une idée de piège. Et on se retrouve tout de suite à maintenant. Ok, du coup, les gars, c'est reparti. Donc, j'ai pris tout ce que j'avais besoin, c'est-à-dire de l'obsidienne, des barrières et de la ficelle. Des plaques de détection en bois tropical. Ok, bon les gars, je me suis trompé, il me fallait des carpettes. Hop, ah non, ça s'appelle pas comme ça s'appelle des tapis, je crois. Ouais, voilà, ok, c'est des tapis. On va prendre des tapis verts pour faire la pelouse. Ensuite, on aura besoin de TNT et d'un silex, enfin d'un briquet du coup. Je vous dis pas à quoi ça va servir, les gars. Enfin, vous devez vous en douter, les gars. Mais vous verrez par la suite de la vidéo, c'est vraiment super génial. Du coup, alors j'ai plus mon petit quad, j'ai un petit scooter parce que mon quad a été endommagé. Du coup, je suis allé chercher un petit scooter de rechange et je vais me diriger tout droit vers la maison. Ah, quoique, les gars, je vais pas me diriger vers la maison de Gumball. Je vais me diriger, regardez, juste ici là, à l'intersection de la maison de Gumball. Et ensuite, oula, les gars, je vois des TNT là-haut là, avec du feu. Je vais vite casser ça parce qu'il faut pas qu'on abîme trop la map non plus. Et ça commence à me faire peur tout ça. Ok, il est parti. Ok, c'est bon, j'ai tout cassé, les gars. J'ai sauvé la maison de Gumball. Ok, du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver vers l'intersection juste ici. Regardez, hop, voilà. Et là, on va creuser un trou quand même, les gars, où on va piéger le petit Gumball. Donc, on va faire du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Là, c'est du 3 sur 3. On va en rajouter une petite longueur. Hop, regardez, comme ceci. Hop, voilà. Bon, là, ça me paraît assez grand, les gars. Du coup, alors, on va aller de combien en profondeur? Hop, on va faire ça comme ça, tac tac tac. On va aller de 3, 4, ça pourra suffire, je pense. Bon, bien sûr, on mettra les murs en obsidienne pour pas que Gumball puisse s'enfuir. Donc, le but, c'est que quoi? C'est qu'on mette des ficelles, les gars, et que des carpettes pour que Gumball puisse tomber dans le trou. Et à la fin, on fera une petite surprise sur la tête de Gumball, les gars. Il va devenir tout chauve, Gumball. Il va plus avoir de cheveux sur le caillou. Du coup, voilà, comme d'autres personnes, mais ça, on s'en fout. Comme beaucoup de personnes de nos jours. Du coup, hop, 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 les gars, c'est parti. On fait les murs en obsidienne. Hop, hop, hop. Tac. Je pense qu'on va descendre encore de 1 ou 2. Ouais, de 2 déjà, ça c'est sûr. Hop. Nickel. Peut-être je vais descendre encore de 1, je sais pas encore. Je sais pas si je vais faire des petits contours où je mettrai des fenêtres pour voir Gumball comment il est. Ou tout simplement, avec la profondeur, vu que Gumball pourra pas remonter, je laisserai quand même le toit ouvert et tout. Ça peut être plutôt pas mal. Au pire, s'il a une chance de s'en sortir. Il le fera et de toute façon, je pense qu'on va lui faire plein de trolls là. Dès qu'on l'aura piégé, les gars, on va le troller, le troller, le troller. Et je pense que ça pourrait être super, vraiment super génial. Du coup, hop, les gars, je casse et je remplace par de l'obsidienne. Donc, si vous voulez reproduire ce trou, n'hésitez pas à le faire sur vos maps, les gars, et à me l'envoyer sur Snap. Donc, c'est Awaris-du-bas officiel, tout simplement. Du coup, alors regardez, hop, on va juste faire de 1 encore et ça sera terminé. Regardez, on va même mettre le sol comme ceci. Voilà, hop, hop, hop. Tac, nickel. Ok, bon, c'est bientôt parfait, les gars. Le piège va bientôt être terminé. Il nous manquera plus qu'à mettre. Je pensais à des torches, mais pas du tout en fait. On va pas éclairer Gumball parce qu'il en aura pas besoin, les gars, vu qu'il sera capturé. Il n'a pas besoin de lumière. Du coup, regardez, je vais faire le sol, je vais finir les contours et ensuite on va mettre des petites. Voilà, donc regardez comment ça s'appelle, la petite ficelle juste ici pour poser les carpettes. Et en dessous, il y aura ouais, voilà, le fil qui permettra de les tenir. Et dès que Gumball sera posé dessus, je les casserai sous son pied. Et comme ça, il tombera directement dans le trou. Hop, du coup, regardez les gars, c'est terminé. Le trou, regardez, il nous manque juste une petite rangée. Voilà, nickel. On a le trou qui est assez profond. Donc, je sais pas combien de profondeur. On a 1, 2, 3, 4, 4 de profondeur, les gars. Donc, parce que la première couche ne compte pas. Du coup, maintenant, c'est parti. On va mettre de la ficelle de partout. Voilà, sur toute la petite. Hop, sur toute la petite largeur. Tac, tac, tac. Oula, pas en dessous.
Et ensuite, on va mettre des petites carpettes, les gars. Enfin, des tapis, je sais pas comment vous appelez ça. J'appelle ça des carpettes, moi, mais c'est des tapis. Regardez, des tapis verts. Et là, Gumball, il verra rien. Du coup, c'est parti. On met les petits tapis. Hop, du coup, on va enlever quand même celle-ci. Oui, je regarde, et bah, les gars, voilà, j'ai fait un petit exemple du troll, c'est-à-dire que je passe à travers la ficelle. C'est-à-dire que dès que je vais casser sous les pieds de Gumball, il va tomber tout droit dans le piège. Et ça sera super marrant. Du coup, voilà, on va cacher quand même l'obsidienne, les gars, pour pas que Gumball se doute de quoi que ce soit. Il pensera que ce sera un petit terrain tout vert, il va vouloir sauter dessus au milieu, et nous on cassera sous ses pieds. Du coup, là, regardez, le piège est terminé, il est enfin terminé et tout neuf. Du coup, on prépare ça dans les mains, je vais enlever le reste, les gars. Donc, du coup, les barrières, j'en ai pas eu l'utilité. Quoique, on va les mettre comme ça, regardez. Comme ça, je saurai que Gumball, il faut qu'il aille vraiment au centre. Hein. Du coup, là, même on va faire comme ça, regardez, tac, hop, hop, hop. Là, on peut pas, si on peut, nickel. Hop, 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 et hop. Ok, voilà, c'est nickel, c'est parfait, le piège est terminé, les gars. Du coup, alors, c'est parti. On va aller prévenir que Gumball, qui a une petite nouveauté, un petit jardin et tout, où il va pouvoir faire ses plantations, ça va être ici. En fait, on va le troll comme pas possible. Du coup, hop, il est où Gumball? Alors, il doit être dans sa maison. Du coup, je vais y aller et je vais tout toquer chez lui. Hop, c'est parti. Ok, donc la fenêtre, elle est fermée. Ok, c'est parti, les gars, on toque. Oui, il s'est réveillé, les gars. Gumball! C'est moi, à ton avis. Oui. Il Talcador devait il venir te vient voir. en général. Ah, il devait venir te voir. Ok. Bah Eh ben non, c'est moi, Gumball. Je voulais te dire un truc. Il y a une nouveauté en ville. Genre, il y a un petit truc pour faire les jardins et tout. Ah, tu vas aller voir? Oui, il m'a pété mon scooter, Gumball, les gars. Ok, bon, moi j'ai pété le quad. ça va super vite ça. En Ok. vite, t'as dit. Ouais, bah là, regarde, regarde, t'y arrives là. Quoi ça? Ah, bah oui, c'est ça justement, la nouveauté. Regarde, c'est un jardin en fait. Vas-y, descends du scooter, descends du scooter. Non, attends, enlève mon scooter d'ici là. Attendez, les gars, j'enlève mon scooter d'ici, on sait jamais. Hop, regarde, regarde, saute sur la terre, Gumball. Tu vois, comme c'est génial, ça rebondit et tout, normalement. Wesh, les gars, je sais pas ce qu'il fait, Gumball. Il est en train de regarder l'herbe. Ah, attention, Gumball, va au milieu là. Wesh. Oui, les gars, Gumball il est pas en train d'obéir, il est en train de partir, on se retrouve tout de suite. Ok, du coup les gars, regardez Gumball, il est revenu juste ici, donc il était descendu tout en bas. Regardez, il était descendu je crois à peu près vers là-bas. T'es allé faire quoi Gumball en bas? T'as vu quelqu'un? Ok. Bon bah voilà, il a rien vu Gumball. Du coup alors Gumball, est-ce que tu sais ce que c'est ce petit terrain d'herbe? Non, je sais pas. Ok, bon Gumball il sait pas les gars, du coup en fait Gumball t'as juste à te placer juste ici et à sauter de plus en plus fort et de plus en plus haut. Et en fait bah il y aura des pousses, il y a des pousses d'arbres qui vont pousser, regardez. Regardez hop hop hop, c'est parti les gars, hop. Wesh. T'es sérieux? Wesh. Est-ce que t'es sèche? Est-ce que c'est vraiment ça Gumball? T'es sèche? Attends mais, ah t'arrives pas à remonter là Gumball Ah hein. Les gars j'ai capturé Gumball, du coup les gars non! c'est Attends, je vais parti. passer une TNT pour remonter. Hop. Non 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 Gumball tu pourras pas. 3, 2, 1. Ok. Et Du coup les gars, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une TNT les gars vers Gumball. Du coup alors la TNT on va la placer où? On va la placer juste ici, hop, regardez. Ouais quoique les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va en placer deux partout vers chez Gumball, tac tac tac. Ok, il va en avoir le plus possible. On va pas descendre. Oh là, nous on vole les gars. Donc on a la chance, c'est qu'on peut aller au fond ou pas. Du coup, regardez, on va en placer ici. Du coup, regardez Gumball, il a la bouche bée, il sait pas quoi faire, du coup il ne parle plus les gars. Il est en train de vraiment la fermer. Du coup, hop, regardez, je mets des TNT de partout. Hop, c'est parti. Tac. fais quoi là, Maurice? Hein, qu'est-ce qu'il y a, Gumball? Fais quoi là? Mais rien, Parlez je vais tester un truc. T'es prêt? Ok, les gars, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est qu'est-ce parti. Attention, attention, attention. Wouch, 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 les gars. Oh, attention. Wouch. Oups. Oula. Oula, les gars, j'ai fait un peu des conneries sur la map, les gars. J'ai un peu tout défoncé la map, hein. ça m'a rien fait. Si t'as rien fait, fais voir. Oh, mais si, Gumball, regarde, t'es blessé vers ton bras. Hein. Regarde ton bras, Gumball. Les gars, regardez Gumball, je crois qu'il boite et qu'il a vraiment mal à son bras. Il s'est cramé un peu le bras avec la TNT. T'as mal, hein. Vas-y, sans mettre là, j'ai trop mal à Ouais, Maurice. C'est comme pas ça. drôle. Ok, bon, désolé Gumball. On va lui faire une petite échelle, les gars, à Gumball. Enfin, un petit escalier pour qu'il puisse sortir. Et ensuite, il va retourner chez lui, je pense, pour aller se reposer. Vas-y, attends, vas-y, monte. Tac, voilà. Ok, Il y a bon. des trous partout, vas-y, moi je rentre à la maison, c'est même pas drôle. Bah, vas-y Gumball, ciao, ciao.
Ok, du coup les gars, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer de notre côté parce que je crois que Gumball, bah, il en a vraiment eu marre, on l'a bien troll, n'empêche, et on l'a capturé dans ce grand trou. Mais moi les gars, vous savez très bien que quand je capture Gumball ou d'autres personnages, je ne les laisse pas dans le trou parce que sinon bah, ça fait un peu bâtard de les laisser les gars dans le trou tout simplement. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait. Je compte sur vous parce qu'on tente les 200 000 abonnés avant la fin de cette année. Je crois que là, actuellement, on est à 130 000, voire 100, ouais, 128 000, 100, voire 130 000. Du coup, il nous reste encore 70 000 abonnés et on aura les 200 000. Du coup, je compte sur vous pour partager un max cette vidéo à tous vos copains, toutes vos copines. Et voilà, c'était Awariz. Ciao tout le monde!